Sandro, y a pas cette musique de merde ou... Je suis en pleine séance. J'ai attendu qu'il y ait plus personne à la salle pour filmer. Salle dont je me suis fait virer, c'est mon dernier jour d'ailleurs. Il faut que je vous parle de certains trucs. Il faut que je fasse une vidéo au premier degré. Je la fais sur cette chaîne parce qu'il y a moins de fils de pute sur cette chaîne. C'est un enfer la musique. Bon, on va faire des évasions latérales. C'est bizarre de faire une vidéo un peu confession, hein. Confession intime dans une salle dont ils vont m'envoyer une mise en demeure la prochaine fois que je viens. Je te jure, faut que j'aille dans un endroit où il y a moins de musique. T'as bout de trépied, les mecs. Comme moi, je suis à bout dans ma putain de... Je suis là pour vous remercier parce que l'antiprogramme, il me permet à peu près de vivre au mois. C'est pas YouTube, comme vous le voyez, qui va me permettre de vivre en ce moment. La meilleure chose que j'ai eue avec l'antiprogramme et les retours, c'est pas l'argent, enfin l'argent, mais c'est vos remerciements et en fait, et les pavés de gens que j'ai aidés. Et qui me disent mais putain merci. Et même en fait j'ai payé pas cher un truc incroyable. Cette vidéo c'est pas pour que vous en achetiez, je m'en bats les couilles, c'est pour vous remercier. Ensuite ma santé mentale, comment vous dire. Dans ma vie là j'ai raté plein de choses. J'ai eu plein d'échecs. YouTube qui est une chose très importante malgré le fait que je me sois fait péter 600 chaînes. C'est échec sur échec, donc ça s'améliore pas, les stats sont de pire en pire. Je suis désolé mais sans stats je peux pas faire. C'est vraiment un autiste Asperger qui essaye de parler des sentiments. Ça va bien, ça va pas. Les choses qui vont bien, c'est les sports de combat et ma vie plutôt perso, ça c'est mieux. Car je me développe dans des choses différentes, je vais ailleurs, je découvre de nouveaux terrains. Donc des terrains dans lesquels j'ai pas encore beaucoup de confiance, mais ça me permet de m'améliorer. Le problème principal c'est que ces milieux dans lesquels j'ai été sur YouTube, donc sur l'autre chaîne, vous voyez très bien de quel milieu je parle. Et ce milieu de muscu, c'est rempli de gens que je déteste qui font ça d'une façon que je déteste. C'est-à-dire une façon commerciale. Vous êtes que des produits, hein. Personne vous considère comme des vrais gens, vous êtes des chiffres. Tant que vous mettez le code, les gens ils sont contents, tant que vous regardez la vidéo. Moi j'ai jamais voulu être ça parce que ça me dégoûte. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, je m'inspirais pas et je regardais pas des mecs comme ça. C'est jamais ça qui m'a intéressé. Donc c'est pas ce que je veux devenir. Je veux devenir moi-même, mais en mieux. T'as capté? Et ça passe pas par faire du contenu de pute. Sur ce qui est miniature et titre, ça oui. Mais sur le fond, ça va rester moi-même toujours à 100% et je changerai pas. La partie où pour moi c'est le plus dur d'être honnête, parce que je l'ai jamais été sur ces points avec vous, j'ai toujours fait des vannes, c'est que j'ai beau faire des blagues, me marrer tout le temps, en ce moment ma vie est plutôt catastrophique. Elle a souvent été catastrophique à un point que beaucoup de vous n'entraveront même pas dans votre vie. Qui m'a permis d'un côté de devenir drôle, introverti, d'avoir mes points forts, mais aussi d'autres points faibles. Et c'est pas toujours rose, c'est pas toujours kiffant. Faire des blagues, faire semblant d'être content. Je vais faire une série d'évasions latérales, je reviens. Il me dégoûte un peu parce que j'aspire à mieux que juste me montrer et dire oui je suis musclé, ouais. Et vendre des t-shirts faits en Chine avec des logos volés sur Pinterest. Quand ça va pas et qu'en plus je me tape des échecs de partout, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, ça aide pas. Donc ma santé mentale, bref, on va rester un minimum pudique, on n'est pas des gauchistes. Dernier point, argent, il va falloir que je me fasse plus de thunes. Parce que survivre avec un gros SMIC c'est pas l'objectif, hein, sinon je serais un gauchiste et le RSA ça me suffirait. L'objectif c'est être pété thunes allègrement. Sur ce, je vais faire une série de shrugs et on va reparler. Juste me montrer et dire oui, je suis musclé. On va retenter des concepts sur YouTube. On va essayer de faire évoluer la chaîne principale et de faire marcher la chaîne de muscu, comme je vous dis. Et c'est con à dire, mais comme je vous disais tout à l'heure, quand t'as déjà un état de santé mentale qui est mid, quand tu vois que tu flopes de partout et que si t'es bon, on te rappelle que t'es bon, on va te sucer la bite. L'algo, il va te mettre bien. Mais quand l'algo, il a décidé de te baiser, c'est con, mais ça peut jouer sur toute ta vie en fait. Je serais plus censuré de nulle part. Je serais 3-4 fois mieux financièrement. Continuer de m'entraîner en boxe, en amateur de mon côté. Et je fais du jujitsu en club. Et voilà. Don't you run and hide from the truth you deserve.
seul. Juste me montrer et dire oui, je suis musclé. Je fais des vannes vite fait ou c'est un cerveau en fait. Je comprends que c'est pas que des vannes, mais il y a des gens qui croient que c'est que des blagues. Donc je suis obligé une fois dans ma vie de faire une vidéo premier degré, qui est le truc le plus cringe sur YouTube. Après les pack openings. J'ai plein d'idées de projets cool, que ce soit de merch ou d'autres choses. Mais c'est plein de choses qui sont bloquées tout simplement par les vues YouTube et moi qui fais pas de vues, hein. Je vais pas dire l'algorithme, c'est un truc de salope de dire c'est la faute de l'algorithme. Quand j'aurai débloqué ces choses, que je serai un peu mieux référencé et que j'aurai plus d'audience, là je lancerai les idées de projets. Trop cool. Rappelez-vous, je suis en moyenne 20 fois plus intelligent que tous les autres YouTubeurs. Pas encore 20 fois plus musclé, mais ça arrive. Je veux pas motiver 6000 personnes. Enfin 6000, il y en a 3000 qui regardent mes vidéos, mais je veux pas motiver 3000 personnes. Ça a l'air con à dire comme ça, mais je pense que je peux faire mieux. Même si c'est déjà beaucoup. Savez-vous que si on cumule toutes les chaînes YouTube que j'ai eues, j'ai 130 000 abonnés sur YouTube. Mais vas-y, ma mère la pute. Si je suis enfantin, je peux baiser des meufs mineures, non, J'échouais de plus en plus et je me mettais à moins essayer en croyant que ça allait mieux marcher. Sauf qu'en fait c'est l'inverse. Plus t'essayes, plus tu testes, plus tu fais d'erreurs, plus tu rates, plus t'as de chances de réussir. Ça se voit, je suis fatigué. Qui ont fait la... Hé, ta gueule avec ta pub de... Hé! En train de faire la outro, je vais vérifier, j'ai les clés chez moi. Je me connais, je suis con de ouf. Je trouve pas les clés chez moi. C'est bon, j'ai trouvé. Zoom. On reprend la outro stylée. Ciao.